Bonjour, je m'appelle Yannick, je suis plutôt connu sous le pseudonyme Isobreténique sur Internet. Je suis au Japon depuis 14 ans maintenant. J'ai découvert le jeu de société, je vais pas dire traditionnel, mais à l'allemande, il y a un peu moins de 10 ans, par l'intermédiaire de quelques amis. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux jeux japonais. Et de fil en aiguille, allant chaque année une ou deux fois au Game Market, voire trois fois, j'ai commencé à tisser des liens avec pas mal d'auteurs, d'illustrateurs, aussi de mini-éditeurs japonais, qui ces liens ont permis en fait de créer du lien aussi avec la France. Alors le Game Market, c'est un événement ludique qui rassemble trois fois par an, deux fois à Tokyo, une fois à Kobe. À peu près 500 à 1000 exposants, principalement des amateurs, des cercles de jeux en fait amateurs, donc des groupes de joueurs, des groupes associatifs qui décident de créer un jeu à un moment. Donc j'ai commencé à écrire pas mal d'articles sur plusieurs plateformes, notamment Gus & Co, Trick Track pendant un moment. J'avais mon blog sur le jeu japonais et puis maintenant Ludovox. Et avec Ludovox, on a décidé de créer une web série qui s'appelle Lana et son papa. On approche les 50 épisodes. On est pas mal soutenu par le site donc Ludovox qui nous envoie parfois des jeux. Et depuis quelque temps, il y a quelques éditeurs qui ont aussi accepté de nous envoyer des jeux pour qu'on puisse parler de leurs jeux. Mais qui sont des jeux uniquement orientés famille, même si moi à la base je suis un gros joueur. J'aime les gros jeux. Pouvoir jouer en famille, c'est quelque chose qu'on fait quotidiennement, donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de partager cette ambiance et puis cette envie de faire découvrir des jeux familiaux à tout le monde. Je pense que tout est parti de mon blog sur le jeu de société japonais. Ce qui se passait, c'est que, un peu comme tous les Japonais, j'allais au Game Market, j'achetais beaucoup de jeux à l'aveugle, puisqu'il faut savoir, pour expliquer assez simplement, qu'au Game Market, les jeux sont annoncés quelques semaines, voire quelques jours avant l'ouverture du Game Market, que la plupart des jeux sont édités en très petit nombre, entre 20 et 200 exemplaires en général, puisque ça coûte de l'argent et que ces gens sont des amateurs. Et je gardais les meilleurs jeux sur lesquels j'écrivais des chroniques. Et je me suis rendu compte, après quelques mois, que des éditeurs entraient en contact avec moi pour avoir des informations sur des auteurs qui avaient des jeux qui les intéressaient ou qui pouvaient éventuellement les intéresser. C'est comme ça que ça a commencé. Ce que j'essaye de faire, c'est d'accompagner les auteurs japonais et japonaises au mieux, sachant que c'est eux qui prennent la décision de travailler avec un éditeur français ou francophone. Moi, je me souviens d'avoir acheté le jeu de Seiji Kanai, donc Love Letter, dans sa version enveloppe, avec un petit cœur autocollant qui scellait l'enveloppe, et on voyait ces 16 cartes à l'intérieur, et c'est un jeu auquel on a joué, mais des dizaines de parties. Et l'année suivante, le jeu était encore présent au Game Market, et c'est là que le jeu a été signé par AEG, ça a fait un carton aux États-Unis, et puis il est passé ensuite chez Philosophia, donc dans sa version francophone. Oui, ça c'est. Alors moi, je connais bien Seiji Kanai. Love Letter est un jeu à la base qui est donc sous le label Japan Brand, qui sont présents principalement à Essen. Et c'est vrai que AEG a fait une découverte incroyable. Et c'est aussi en partie grâce à AEG que le monde ludique en dehors de l'Asie s'est intéressé aux jeux japonais. Et à cette vision un peu minimaliste du jeu de société. Ce qui est un peu perturbant pour les gens qui visitent le Game Market la première fois, c'est de voir que, surtout quand on est familier des grands salons, comme je pense à Cannes, je pense à, comme tu le disais, à Essen, où on a des éditeurs qui viennent présenter des jeux qui ont déjà été signés. Donc les auteurs sont présents parfois pour des signatures ou pour animer peut-être des tables de jeux. Mais au Tokyo Game Market, comme il y a très très peu d'éditeurs, et même si on prend le cas de Honk Games qui est le plus connu parce que c'est peut-être le seul qui produit des jeux japonais comment dire, du début jusqu'à la fin, Honk Games produit principalement les jeux qui ont été créés par son PDG, donc Jun Sasaki, ou son fils. Mais le Game Market, c'est un endroit où, comment dirais-je, aucun jeu ne passe par la main d'un éditeur. Pour donner un ordre d'idée, un jeu tel que celui-là, donc Sehai Succession, qui est un jeu qui se joue à deux dans une toute petite boîte, c'est un jeu qui vaut 23 € sur le Game Market.
Alors la raison est simple, c'est que les jeux sont produits intégralement au Japon. On dit souvent que les illustrations pêchent un peu parce que les auteurs n'ont pas les moyens de payer des illustrateurs, donc ce qu'ils font, c'est qu'ils les font eux-mêmes. Mais la production d'un jeu coûte très très cher au Japon. Donc sur un jeu qui est vendu comme ça à 23 ou 24 euros, ce qui est un prix absolument improbable pour le marché occidental, surtout quand on voit Love Letter à 6 euros par exemple ou 7 euros, ça représente en coût de production dans les 18, 19, 20 euros. Le plus gros média d'information et, comment dirais-je, de découverte, c'est sans aucun doute Twitter. C'est-à-dire que quelques semaines avant le Game Market, je passe plusieurs heures par jour sur Twitter. C'est là que tout se passe. C'est le centre névralgique de l'information. Quand on parle du Game Market, c'est pas Facebook, c'est pas Internet, c'est pas vraiment la page du Game Market parce que c'est un... C'est pas très très pratique de naviguer sur le site, il y a assez peu d'informations et finalement toutes les pages vont renvoyer vers un compte Twitter où l'auteur va pouvoir, l'auteur ou avec ou sans E, va pouvoir donner des informations sur son jeu. Pour les éditeurs francophones par rapport aux anglophones notamment, je pense que ce qui intéresse ces éditeurs-là, c'est, à mon avis, c'est la même chose pour tous les jeux, peu importe leur origine, mais l'originalité des mécanismes des petits jeux japonais. Et si on regarde un jeu, par exemple, comme Imagine, qui est sorti chez Cocktail Game, je pense que Mathieu Despnous et Emmanuel Beltrando ont flashé, rien qu'en voyant le matériel sur la table. Ils ont vu qu'il y avait un jeu qui pourrait leur plaire, c'était original, un matériel qu'on n'avait jamais vu nulle part, parce que justement toutes les limitations budgétaires et économiques que vivent les éditeurs japonais, les auteurs japonais, pardon, vont leur permettre d'essayer de trouver des solutions. Et des solutions dont on n'a pas forcément besoin ici, parce qu'on a les moyens, en passant par un éditeur qui a un vrai budget, de faire des jeux de façon plus traditionnelle. Un jeu dont le principe est complètement improbable, c'est Ubilimpic. Donc Ubi, c'est les doigts, Olympic, donc c'est un jeu de mots avec les Jeux Olympiques. Et c'est un jeu où en fait on va faire deviner aux autres joueurs une discipline sportive olympique en utilisant seulement certains de ses doigts. Donc par exemple, on aura, je ne sais pas moi, l'index et le pouce, et avec un autre joueur, on devra faire deviner le triathlon. Donc les deux joueurs ont l'index et le pouce à utiliser et on va se débrouiller en faisant des gestes avec les quatre doigts pour faire deviner aux autres joueurs cette discipline. Donc ça, c'est un jeu qui est vraiment, qui paraît complètement fou, parce que qui a pensé à ça? Pourquoi? Et en fait, c'est un jeu qui fonctionne très bien, qui est assez drôle. Bon, on n'y joue pas 50 parties, mais sur l'effet « wa » du début est assez amusant. Ensuite, je peux peut-être présenter un autre jeu, c'est Babel, qui porte bien son nom puisque c'est un jeu où on va essayer, on va chacun représenter une civilisation et on va essayer de construire, soit de façon coopérative, soit en semi-coopérative avec un traître, la tour de Babel, en sachant qu'il y aura des limitations dans notre capacité à communiquer, puisque les gens ne comprenant pas la langue de l'autre, c'est toujours plus compliqué de construire une tour. Et en fait, le but du jeu va essayer de réussir à construire la tour jusqu'à son 8e étage, sachant qu'il est bien possible que quelqu'un essaye de nous en empêcher. Donc c'est un jeu qui est intéressant. J'aime beaucoup le matériel parce que c'est du papier découpé. Et là encore, enfin, on appelle ça du kiligami en japonais. Et c'est un jeu qui est intéressant dans la mesure où, à l'origine, c'est un imprimeur qui a décidé de montrer ce qu'il était capable de faire avec du papier. Et de là, ils sont partis sur comment créer du kiligami. On va leur montrer en créant un jeu. Et puis après, j'ai quelques jeux, comme par exemple des jeux qui thématiquement sont un peu bizarres, on va dire. Là, c'est par exemple, je n'arrive pas à battre le taureau. C'est un jeu de type Love Letter, c'est-à-dire qu'on va avoir quelques cartes en main et on va essayer de donner les stockades au taureau. Alors le thème est un peu polémique, mais l'auteur a choisi ce thème un peu par hasard, apparemment, d'après ce qu'il me disait. Et c'est un jeu qui est très drôle parce que c'est un concentré du Japon. Donc on a
La fameuse carte caca qui a fait polémique sur Imagine, par exemple. Mais on a aussi des cartes qui vont avoir des effets qui n'ont pas vraiment d'impact direct sur le jeu, mais qui sont nécessaires en fait à la réussite du jeu et à son équilibre. Donc c'est un thème un peu fou, des cartes inutiles, et c'est un jeu qui marche bien. C'est ça qui est assez étonnant. Donc c'est pour ça que je l'ai amené et francisé. Est-ce que je peux demander à ma fille de venir sur Lana? Bah oui, Lana et son papa. Tu vas traduire en japonais? Je remercie d'abord tous les auteurs de jeux japonais. Nihon no designer no minasan. Arigato. Oui. Je voudrais aussi remercier Philibert de nous accueillir aujourd'hui pour cette soirée jeux asiatiques. Et enfin, je voudrais remercier Lana, ma fille, d'accepter de faire des vidéos de Lana et son papa qui sont parfois un peu fatigantes à faire. Hein? Tu peux le dire en français, hein? Tu peux dire de rien papa, merci papa, mais bien sûr papa, tu m'ennuies papa. Tu peux dire ce que tu veux. Tu dis au revoir au moins. Ouais, c'est bien, papa.